Bonjour et bienvenue dans ce quiz CCD vidéo sur le badminton et plus particulièrement les règles et la technique au service. La vidéo support est une vidéo 6 kana. Ce quiz concerne uniquement les matchs en 1 contre 1 avec comme règles les règles officielles. En effet, parfois il est possible d'adapter ces règles sur des matchs à thème par exemple. Ici, on parle vraiment des règles officielles. Allez, c'est parti. Question 1, cache carré duo. Dans quelle zone le volant peut-il retomber au service? En carré. Terrain A, réponse A. Terrain B, réponse B. Terrain C, réponse C. Terrain D, réponse D. En duo. Réponse C ou réponse D? Question 2. Cache carré et duo. Pour le joueur qui retourne au service, quelles sont les zones autorisées? En carré, terrain A, réponse A, terrain B, réponse B, terrain C, réponse C, terrain D, réponse D. En duo, terrain A ou terrain C? Question 3. Cache carré et duo. Est-ce que les pieds du serveur sont positionnés correctement au moment de frapper? En carré. Oui, de toute façon, nous pouvons servir où l'on veut. Réponse A. Non, son talon arrière est levé. Réponse B. Oui, ses pieds sont dans le carré et sans toucher de ligne. Réponse C. Non, il doit avoir un pied dans chaque carré. Réponse D. En duo, réponse A ou réponse C? Question 4. Cache carré et duo. Est-ce que j'ai le droit de faire une feinte au service? En carré. Oui, le point commence à partir du moment où je touche le volant. Réponse A. Non, mon geste doit être continu. Réponse B. Oui, c'est plutôt drôle. Réponse C. Oui, mais seulement au deuxième service. Réponse D. En duo, réponse A ou réponse B? Question 5. Cache carré et duo. Quels sont les coups autorisés au service? En carré. Le coup droit, réponse A. Le smash, réponse B. Le revers, réponse C. Un dégagement, réponse D. En duo, réponse A ou réponse C? Question 6. Cache carré et duo. À quelle hauteur puis-je frapper le volant au service?
En carré. En carré. En dessous de la taille. Dernière côte flottante. Au niveau du nombril. Réponse A. En dessous du menton. Réponse B. En dessous du coude. Du bras libre. Réponse C. En dessous de l'aisselle. Réponse D. En duo. Réponse A ou réponse D. Question 7. Cache carré et duo. Qui doit servir au début d'un match? En carré. Celui qui gagne le dernier point. Réponse A. Tirage au sort avec le volant que nous posons sur la bande du filet. Le joueur a le choix si le bouchon du volant est dirigé de son côté. Réponse B. Tirage au sort avec le volant que nous posons sur la bande du filet. Le serveur est désigné quand le volant tombe de son côté. Réponse C. Tirage au sort avec les raquettes que nous posons sur la bande du filet. La première raquette qui tombe a perdu le service. Réponse D. En duo, réponse B ou réponse C? Question 8. Cache carré et duo. Pendant le match, qui doit servir? En carré. Le joueur qui a gagné le point. Réponse A. Le joueur qui a perdu le point. Réponse B. Après chaque point, il y a un tirage au sort. Réponse C. Celui qui a le volant de son côté. Réponse D. En duo, réponse A ou réponse D? Question 9. Cache carré et duo. Si le volant touche le filet, que se passe-t-il? En carré. Le point est à remettre. Réponse A. Je perds le point. Réponse B. Le point continue. Réponse C. L'adversaire a le droit à un deuxième service. Réponse D. En duo, réponse A ou réponse C? Les vidéos utilisées sont produites par Sicana, en partenariat avec Decathlon et le club brésilien Miratus. Retrouvez d'autres vidéos sur labfabexperience.fr sur l'article Quiz QCM vidéo. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!